Ça marche mieux avec mon micro activé. Et bonsoir tout le monde. Eh ben, on est ravis de vous recevoir pour ce premier meet-up de l'année. Donc après cette pause de vacances, on espère que vous avez pu tous bien en profiter. Et donc pour ce meet-up 61 de rentrée, déjà je vais vous inviter à si vous voulez nous suivre et être informé des prochains meet-up. Donc il y a le channel YouTube. Donc, où vous pouvez voir tous les replays. Il suffit de s'abonner pour avoir petite info quand il y a un replay qui sort. Il y a aussi, donc là, on est à la fois sur YouTube et sur Twitch. Donc, pareil, si vous voulez être informé des lives qui débutent, il suffit de nous suivre et de cliquer sur la petite cloche. Alors, comme à chaque fois, hein, le même discours, et tout particulièrement en ce début d'année, on cherche des talks. Tout simplement pour pouvoir animer ces meet-ups. Donc, n'hésitez pas, on a notre page sur Conference Hall que vous pouvez accéder au lien qui est en dessous. Et soumettez-nous des sujets. Si vous avez un doute sur votre idée, n'hésitez pas à rejoindre le Slack de Nantes.js et on se fera un plaisir de vous répondre ou même de vous accompagner pour la réalisation de votre sujet. On est à votre disposition. Alors, ce qu'on a aussi, c'est Open Feedback, donc qui est une plateforme pour pouvoir faire des retours aux speakers qui vont passer ce soir. Donc, on vous fournira dans le chat directement les liens après chacun des talks pour pouvoir faire ces retours-là. C'est toujours appréciable en tant que speaker de pouvoir savoir est-ce que notre talk il a plu ou même d'avoir des pistes d'amélioration. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu et donnez un retour à nos speakers. Donc, ce soir, on va commencer avec Aurélien, qui va nous expliquer comment il en est venu à utiliser des machines à état pour gérer le state de ses applications. Et ensuite, on continuera avec Ginny qui va nous faire un petit tour d'horizon des frameworks qui sont présents. Et du coup, est-ce que ça a tant d'importance que ça? Voilà. Et donc, je vais accueillir dès à présent Aurélien. Bonjour Evonique, merci. Merci à toi. Ravi d'être là. Je te donne la main pour faire ton talk et puis je te dis à plus tard. C'est parti alors. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, très rapidement, je suis Aurélien Meunier. Je suis lead developer et engineering manager chez The Edge. On fait du logiciel pour les hôteliers notamment. Et ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, c'est que on fait du JS, du TS côté front et notamment du React chez The Edge. Et en fait, lors d'un gros refactoring d'une application, j'en suis venu au niveau d'un des projets à utiliser XState. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler ici. L'idée principale, c'est que de manière générale, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le state management, c'est quand même pas forcément un sujet qui est simple. C'est un sujet qui est complexe, où les réponses sont très différentes d'une équipe à une autre, d'un projet à un autre, en fonction du contexte, en fonction de l'échelle aussi, et que globalement, c'est aussi un des endroits où on peut facilement avoir des bugs. Et donc, on s'est posé la question, chez The Edge et dans mon équipe, de quel système on allait mettre en place, parce qu'une fois qu'on a déterminé notre système, qu'on a dit un peu ce qu'on voulait faire, pourquoi, comment, et qu'on s'est tous mis d'accord, ça devient quand même tout de suite beaucoup plus facile. Donc sans s'énerver, on a regardé, et puis en fait, il y a déjà pas mal de solutions qui existent, hein. On a bien sûr Redux, il y a les nouvelles API de React Context, avec notamment l'utilisation des hooks, et puis on peut aussi prendre des solutions qui sont un peu plus radicales, comme par exemple ne pas avoir de React, ne pas avoir de SPA, utiliser du F#, on a des équipes qui utilisent Fable par exemple chez nous. Bon, c'est des solutions qui sont assez différentes, et puis en fait, le state management c'est une chose, c'est très technique, mais il y a aussi tout ce qui est du management de la logique. Et c'est là où en fait je me suis penché sur les state machines, qui sont c'est un formalisme, c'est plus que de la gestion d'état et de données, ça permet à partir d'un diagramme et d'une formalisation de définir l'état de son application, où est-ce qu'on est à tel moment et qu'est-ce qui est possible de faire. Et c'est là où c'est en général très intéressant, c'est qu'en fait, dans une machine à état ou dans une chart machine,
Eh ben, on va tout définir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de question de quels sont les différents états multiples qu'il peut y avoir. Si on est à tout moment dans un seul état, tous les états ils sont connus, toutes les transitions elles sont connues, tous les événements sont connus. Donc en fait, c'est définir une state machine pour son application, bah, ça permet d'être déterministe. Et ça, c'est quand même vraiment très intéressant, très important. Ça permet quoi ensuite derrière ? Bah, vu qu'on va définir d'un point de vue très logique le comportement de son application, l'interface devient vraiment une fonction du state, une fonction de notre state machine, plutôt que d'être mélangée dans ce qu'on va voir par exemple des God Components en React, où on va voir à la fois du state, à la fois de la logique, de l'appel aux API, finalement beaucoup de choses. Et c'est là où ça devient un peu difficile à maintenir. Typiquement, moi j'aime bien quand les applications sont maintenables, quand elles sont claires, quand on a une séparation des responsabilités. Et puis tant qu'à faire, si on peut avoir un peu de généricité et de pouvoir partager ce qu'on fait avec d'autres équipes dans sa boîte, c'est quand même pas mal. Donc j'en suis venu à utiliser la librairie XState. XState, il faut savoir que dans le State of JS de 2020, c'est apparu. Donc c'est que c'est pas non plus une librairie qui est hyper folklore, connue par 2% des développeurs JS. Par contre, c'est pas encore très très utilisé. Donc on a 5% d'usage en 2020. On commence à avoir un peu plus de connaissances en tout cas de la librairie, et surtout bah, les personnes qui l'utilisent sont vraiment vraiment très satisfaits. Je vais vous montrer du code. Je vais vous montrer une petite démo en utilisant quelque chose de très simple. Hein. C'est un formulaire de login register qui est d'ailleurs disponible sur GitHub. Parce que je me suis dit que finalement, il n'y a pas grand-chose de mieux qu'une démo de code dans un cas comme ça. Hop. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Pour ça, je vais démarrer en vous montrant qu'est-ce que c'est qu'un formulaire de login un peu basique. Hein. Donc là, c'est chacun voudra coder comme il le veut, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui est assez représentatif avec des hooks et puis avec une petite fonction de validation hein, qui est fake, bien entendu. Il n'y a pas d'API là dans le cas de ma démo aujourd'hui. Et puis un peu de code. On remarquera que c'est quand même là quelque chose de très simple, hein. On a moins de 100 lignes de code, il n'y a pas grand chose de très compliqué, mais déjà rien que pour dire est-ce que mon bouton de login il est activé ou pas, on rajoute deux fonctions, on a une petite opération booléenne, etc. Et ça va tant qu'on a quelque chose de très simple. Puis quand on commence un peu à complexifier en fait son application, j'ai remarqué qu'on se retrouve avec un peu ce que j'appelle une danse des booléens. Est-ce que mon formulaire, il est validé ou validé ? Est-ce que mon password, il est validé ? Est-ce que je suis en train de soumettre mon formulaire ? Est-ce que j'ai fini ou pas ? Puis bien sûr, on va devoir les mettre à jour, ces booléens. True, false, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier les cas limites, il ne faut pas oublier les cas d'erreur. Et puis le cas d'initialisation aussi. De manière générale, vous serez assez d'accord sur le fait que normalement, on est censé avoir dans ces booléens qu'un seul qui est vrai. C'est-à-dire, en tout cas pour la plupart, soit je suis en état de validation, soit j'ai fini, soit je suis en état de soumission, de vérification auprès de mon API. Ça, d'un point de vue logique, c'est vrai. Sauf que d'un point de vue technique, fonctionnel, etc., on ne peut pas l'assurer avec un fonctionnement comme ça de state, où on décrit plusieurs booléens qui finalement sont non liés les uns aux autres, et où on ne peut pas formellement vraiment s'assurer qu'il n'y en a qu'un seul qui est valide. Alors on pourrait utiliser autre chose, mais de manière générale avec du state qui est dans un composant, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est là où les machines à état, elles deviennent sympas. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de notre machine à état pour un formulaire de login qui est similaire ? Là tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de state. La seule chose que j'ai, c'est une machine. J'ai initialisé ma machine et je vais vous montrer après comment est-ce qu'on décrit une machine. Mon formulaire, il est le même. Hein. J'ai repris le même code, c'est exactement le même DOM. La seule différence, c'est que dans mes composants, plutôt que d'utiliser du state, vu que j'en ai pas à cet endroit-là, je vais utiliser une fonction qui est sendToMachine. Ça me permet de déclencher des événements. Donc là, notamment cet email, quand je remplis dans mon champ, ça envoie mon login à ma fonction, à ma machine, avec un update login en événement. Pareil pour mon password, sauf que j'envoie un update password.
Et là, globalement, mon bouton de validation, bah, qu'est-ce qu'il va avoir? Si jamais je clique dessus, je vais envoyer un événement de validation. Je n'ai pas besoin de données envoyées. Donc là, vous voyez que j'ai juste le send-to-machine. Je n'ai pas de paramètres comme au-dessus. Et le disabled, en fait, il va vraiment être défini à partir du state de ma machine, du nœud. Donc si jamais je reviens sur la petite slide, hop, c'est comme start, searching, loading, je suis que dans un seul état. En l'occurrence, là, je veux que mon bouton il soit disabled si je suis dans un état qui est autre que l'état de complétion du formulaire, c'est-à-dire où j'ai rempli mon login, j'ai rempli mon password, et je ne suis pas en train de valider auprès de mon API, je n'ai pas déjà validé, il ne me manque pas un login ou un password. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre machine? Puis c'est quoi une machine finalement? Alors il y a des choses qui vont être très similaires à ce qu'on connaît. Typiquement, je vais avoir un contexte, donc ça c'est à peu près ce qu'on dit de state en React pur, on va dire. Donc un login, un password qui peut être undefined, pas de souci. Vous remarquerez que là, j'ai utilisé du TypeScript de manière générale dans ma codebase parce que ça permet vraiment de typer et d'être un petit peu plus explicite dans des démos comme ce que je suis en train de faire là en live. Ensuite, je vais avoir un schéma. Ce schéma, il définit des states qu'on peut aussi appeler des nœuds pour éviter d'utiliser le mot state qui est des fois un petit peu... qui a plusieurs sens en JS, et ces states, là, j'ai défini que je peux avoir un editing complete, je peux être en état de soumission, je peux avoir des informations qui sont invalides, je peux avoir raté mon authentification, ou au contraire, je peux avoir été authentifié. Donc ces différents states, ensuite, bien entendu, vous voyez, là, j'ai une énum, hein, donc ils sont tous définis là, rien de magique, et après, je vais avoir ma machine. Ma machine, c'est quoi? C'est quelque chose qui est templété, donc qui prend mon contexte, qui prend mon schéma et qui prend des événements. Mes événements, je vais les définir. C'est pareil, c'est ce que je vous ai montré, c'est comme là. Cet événement, ça va être start search, ça va être cancel, ça va être success est moins un événement qu'une transition. Et donc, dans le cas de mon formulaire de login, je vais avoir quoi? Je peux avoir un événement qui est validate. Donc là, je vais juste dire que j'ai un événement de type validate sans lui passer de données. Je vais avoir un update login qui là est de type update login avec un login en paramètre. Et pareil pour le update password, un update password avec du password en paramètre. Donc ça, c'est déjà super parce que ça veut dire que là, je type de manière très forte. Je ne peux pas avoir un password qui est passé avec mon update login. Je ne peux pas passer de la donnée supplémentaire dans mon validate. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très restreint, très spécifique et très clair à la lecture aussi. Et puis je peux aller voir mes événements, mon énum, hein, donc validate, update login, update password. Comme ça, je peux le référencer ensuite dans mon send to machine ici, dans ma UI. Alors là, on a quand même pas mal de code puisqu'on a défini des énums, on a défini un type, on a créé quand même une classe supplémentaire pour la machine. C'est vrai qu'au début, ça fait un petit peu de code, mais en fait, dès qu'on complexifie un petit peu notre logique, vous verrez qu'en fait, on ne rajoute pas tellement de code avec les fonctionnalités. Par contre, là, ce que j'apprécie dès notre interface un peu de base, c'est que c'est hyper clair. Et ça, je trouve ça très important, notamment quand on a un onboarding de nouvelles personnes et surtout des juniors, c'est que le code, il est hyper, hyper clair. Dans mon interface, j'ai une machine, je peux envoyer une information à ma machine, et derrière, j'ai du DOM. J'ai du DOM, j'ai des événements, je réponds à ces événements, et je peux définir que j'ai éventuellement de l'interface qui dépend de l'état dans lequel je suis, et pas de plusieurs éléments de state, booléen, string, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal, et là, on voit vraiment qu'on a de la UI qui est fonction du state et fonction de ma machine. Si ensuite, je vais un petit peu plus loin, bon, alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut splitter notre code de manière un peu logique, métier, etc. Donc on va définir nos types et nos énums quelque part, et on va définir notre machine à un autre endroit. Alors, notre machine, qu'est-ce qu'elle a exactement ? Cette machine, en fait, elle va, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle prend ça en paramètre, mais maintenant, il faut quand même lui dire comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est-à-dire comment est-ce que je peux aller d'un événement, d'un state à un autre, en répondant à un événement, et avec quel type de transition.
Donc, si jamais je lui définis là, par exemple, que bah, mon état initial, c'est que je peux éditer mon formulaire. Alors, je vais vous montrer. Hop, on va aller sur cette étape-là. Donc là, par exemple, bah, je ne sais pas, je peux dire my login et puis my password. Et ah, là, visiblement, mon bouton IC unlocké. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ma fonction de validation à un moment donné, j'ai vérifié que j'avais suffisamment de caractères dans mon login et dans mon password. Ça, bah, c'est tout simple. Hein. C'est qu'en fait, quand je suis en état d'editing, à chaque fois que je vais avoir un événement ou quelque chose qui est défini là, update login, update password, je vais aller dans mon unupdate. Cet unupdate, en fait, lui dit que en fait, il boucle sur lui-même, puisque bah, je suis dans de l'édition. Hein. La seule chose que je fais, c'est que j'update mon login et mon password qui est dans mon contexte, donc dans mon state, dans le sens React. Et puis, bah, si jamais à un moment donné, donc ça, c'est quand je rentre dans, dans mon state, si à un moment donné, je réponds à une condition, qui est là, bah, j'ai rentré mes credentials, et bah, là, je vais aller dans mon état editing complete. Tout ça, c'est décrit dans la documentation de Xstate sur le site. C'est assez simple. Hein. Je vais assez vite, mais en vrai, c'est très très simple de mettre en place ça. Il y a des super exemples. Donc, par exemple, si je vais dans mon credentials field, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est tout simple. Hein. J'ai un contexte, et puis là, je vérifie que mon login n'est pas empty, mon password n'est pas empty. Et ensuite, je peux avoir ma transition. Dans mon editing complete, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir update login, update password, toujours la même chose. Ça me permet notamment, si jamais je vide mon login, eh bien de revenir dans un état de « Ah, bah, tu peux pas valider hein, parce que tu n'as pas assez rempli. » Par contre, il y a un événement auquel on va réagir en plus, qui est là celui de validate. Donc ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans votre machine, si jamais à un moment donné, vous envoyez un événement à votre machine, toujours avec la même chose, hein, excusez-moi, hop. Si vous envoyez un événement, c'est pas celui-là. Si vous envoyez un send to machine avec un événement, donc update password, update login, mais aussi mon bouton d'authentification qui va avoir un send to machine validate, bah, si jamais vous cliquez dessus, parce que bah, y a un problème dans la UI, donc ça sera vraiment un problème de UI, c'est-à-dire je n'ai pas fait en sorte que mon bouton soit en état de disabled quand je suis en état d'editing, et bien dans ces cas-là, il ne va rien se passer parce que votre machine, elle définit tout, elle définit comment ça se passe et notamment j'ai perdu le bon fichier et notamment que bah, si jamais vous n'êtes pas capable de répondre à votre événement de validate, il ne va rien se passer. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'en fait, dans votre fichier de machine, vous définissez vraiment toutes vos transitions, vous définissez tout ce qui peut arriver, et vraiment ce qui peut, ce qui fonctionnellement, ce qui logiquement est possible de faire. Donc notamment, ce genre de fichier, c'est excellent à faire en pair programming, à faire au début pour bien définir, pour bien cadrer, et en se basant sur bah, soit des maquettes, soit les spécifications du PO, du PM, et de bah, ensuite d'ailleurs de développer les interfaces, de développer la couche de service qui va permettre de faire les appels, etc. etc. Mais cette couche de modèle et de logique, elle est cœur, elle peut être faite une fois, et ensuite, bah, quand on rajoute des features, on va aller la rajouter là-bas, et puis bah, on déclinera au niveau de l'interface. Mais là, il n'est vraiment pas possible d'avoir une validation si jamais votre machine est dans un état qui ne répond pas à l'état de validation. Donc il y a plein de choses additionnelles que j'ai rajoutées là dans ce dépôt. Hein. Je vous invite à aller ensuite sur GitHub si vous voulez creuser un petit peu. Ce qu'on va regarder, c'est bah, qu'est-ce qui se passe si jamais j'envoie mon bouton, enfin je clique sur mon bouton pour valider. Et que je suis en état d'editing complete. Donc là, en gros, je vais répondre à cet événement qui est validate, et je vais aller dans mon état de submitting. Cet état de submitting, il est un petit peu différent. Vous voyez, ici, on répond à l'entrée à quelque chose pour vérifier si on répond à une condition et du coup, qu'il y a peut-être un side effect à faire, ou alors qu'on doit changer d'état. Mais dans l'état login-state.submitting, on n'a pas ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est un état qui est transitoire,
et qui notamment va appeler une fonction. Donc là, on va invoquer une fonction qui s'appelle submintasync. Je vais vous montrer où est-ce que c'est défini plus tard. Et ensuite, cette fonction submintasync, quand on va voir le résultat, bah, soit on va aller en erreur, et dans ces cas-là, on va aller sur le authentication field, donc le node, le state authentication field, soit eh ben, on réussit, et dans ces cas-là, je peux décrire qu'est-ce qui se passe. Donc là, dans mon cas, bah, il y a deux possibilités. Soit je réponds à une condition qui est que j'ai de la donnée et que c'est true. Donc là, en soi, bah, c'est que mon authentification a réussi, puisque je vais mettre true dans ma data. Et dans ces cas-là, bah, je suis authentifié. Donc dans ma machine, je vais aller vers l'état authentifié. Soit c'est que cette condition n'est pas respectée, et donc je vais dans mon authentication field. Alors regardons, hein, c'est bien entendu de la donnée qui est un peu simplifiée, c'est-à-dire que là je vais simuler l'appel à mon API, et je vais dire que, bah, de base que non, il n'y a pas d'erreur, et je vais vérifier que bah, mon login c'est mylogin et mon password c'est mypassword. Donc qu'est-ce qui se passe si je suis sur le bon? Bah, là je vais taper n'importe quoi, il va vérifier, et puis il va me dire bah non, c'est pas bon. Donc là, l'état de ma machine, il doit être, on va regarder dans les logs, il est en authentication field. Par contre, si jamais je passe my password, hop, vous voyez là, à partir du moment où j'ai rempli suffisamment de caractères, je suis passé en editing complete. Donc là, j'ai my login, my password, j'envoie mon login, je suis dans un état de submitting, et vous avez pu voir que tout était grisé, parce que dans mon interface, j'ai fait en sorte que mon formulaire soit grisé, que mon bouton soit grisé, si je ne suis pas en état d'editing, ou d'editing complete pour les petites formes là. Et ensuite, bah, comme mon submintasync a renvoyé de la data qui était true, ma condition ici, elle est remplie. Du coup, je vais en état authenticated. Et dans mon état authenticated, et ben je suis en état final, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que je ne peux plus modifier, je ne peux plus cliquer, je ne peux plus rien faire, je suis en état authentifié. Là, ben, je n'ai pas besoin d'autre chose. Bien sûr, ben, si on voulait avoir un site avec une fonctionnalité complète, ben, peut-être qu'on voudrait avoir un événement qui est ben, je me délogue, donc je ne suis plus authentifié, du coup je reviens à mon formulaire de login. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Là, je vous ai montré la définition vraiment de la machine, c'est-à-dire les transitions, les états, les événements auxquels on peut réagir. Et il y a bien entendu les implémentations des fonctions. Donc les fonctions, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir les guards. Les guards, c'est ce qui permet de définir des conditions pour bloquer ou définir dans quel état est-ce qu'on va aller. Donc est-ce que notamment mon login est valide, est-ce que mon password est valide. Je vais avoir mes services, ça c'est les fonctions qui vont être invoquées. Donc là, j'ai tout défini là-dedans, mais bien sûr, c'est à cet endroit-là qu'on utiliserait notre couche d'appel à l'API. Et ensuite, je vais avoir mes actions. Mes actions, c'est mes fire and forget effects, c'est mes side effects. Là, par exemple, je peux le montrer, mon update que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Donc c'est quand j'ai sur mon editing, quand je vais modifier mon password ou mon login dans le formulaire, ici, et ben je vais appeler ça, et je vais avoir un side effect, qui est que mon login, je vais le mettre à jour si jamais il est dans mon événement, et je vais le mettre à jour le password aussi, là j'ai factorisé. Ce qui permet en fait de garder dans notre contexte, qui pour rappel avait login, password, là j'étais un petit peu plus loin, c'est par la suite, et bien du coup de garder toute cette information-là. Pour autant, dans mon login state, qui est mon DOM, qu'est-ce que j'ai là? J'ai toujours ma machine, j'ai toujours mon send machine, j'ai un interpréteur qui me permet notamment en fait, de voir les transitions et de les débugger. C'est ce que vous avez pu voir ici, machine transition to submitting, machine transition to authenticated. Et j'ai mon machine contexte. Ce machine contexte, il permet du coup de récupérer, bah, par exemple, le login, si jamais je voulais l'afficher ailleurs, votre login, et vous allez vous loguer avec tel login. On pourrait afficher un message comme ça. Et puis éventuellement, on peut afficher des messages d'erreur qu'on va stocker dans notre contexte, ce qui est le cas ici. Et puis il n'y a rien d'autre, vous voyez, il n'y a pas de useState, il n'y a pas de fonction, il n'y a rien, puisqu'en fait, toute notre logique est dans notre machine.
En revanche, on a du DOM. Le DOM, c'est le même que si jamais j'avais pas de XSite, pas de state machine, pas de state chart. Et si on regarde par exemple notre form input, bah là, ok, le label, l'ID, rien de spécifique. Et puis dans mon disabled, je vais le dire, bah, je suis disabled si jamais je suis en état de submitting ou en état d'authenticated. Ça, ça me va très bien. Je définis ma UI, elle va avoir un rendu qui dépend du state dans lequel ma machine elle est, ce qui est parfaitement logique. Et bien entendu, je réponds aux événements utilisateurs, et c'est à ça que sert la UI, c'est à afficher et à répondre aux événements utilisateurs. Donc là, on a vraiment une séparation des responsabilités qui est très claire. Ma machine, elle s'occupe de ma logique, elle s'appelle d'appeler mes couches service, elle s'appelle de gérer la logique des événements, alors que mes composants, mes pages, bah, ils s'occupent de l'affichage, ils s'occupent du DOM, et d'afficher les composants en fonction de l'état de ma machine. Pareil ici, du coup, une fois que je mets à jour, je réponds au unchange sur cet input-là, et ben je vais envoyer l'événement update login à ma machine. Si jamais je ne suis pas capable d'y réagir, ben ma machine elle va pas prendre ça. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement? C'est que je peux avoir plusieurs types d'erreurs. Soit j'ai une erreur de UI, c'est-à-dire que je n'ai pas bloqué mon interface. Mettons là, si jamais je fais ça, je vais disable de mon input. Enfin, je vais enlever le disable. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe? My login, my password. Là, je submit. Et vous voyez que ce formulaire-là, ce champ-là, il est toujours modifiable. Donc ça, c'est un premier type d'erreur. J'ai une erreur de type UI. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller modifier mon DOM, je vais aller vérifier qu'est-ce que j'ai. Et normalement, bah, je dois voir que ah bah, tiens, je n'ai pas branché mon disabled. C'est normal que l'utilisateur puisse toujours modifier ça. Par contre, quoi qu'il arrive derrière, comme en fait ma machine, elle, dans mon modèle, dans ma logique, je ne réponds plus à l'événement de update login si jamais je suis dans des états qui sont autres que editing et editing complete. Vous voyez, ici, il est défini. Là, il ne l'est pas. Et bien, en fait, d'un point de vue logique, il ne se passera rien. Donc, soit vous avez une erreur de type UI, soit vous avez une erreur de type logique, modèle, flux, etc. Et dans ces cas-là, bah, vous allez aller dans votre machine. Donc, encore une fois, séparation des responsabilités, beaucoup plus facile à maintenir, beaucoup plus clair pour des personnes qui arrivent. Bien qu'évidemment, il faut arriver à rentrer un petit peu dans cette syntaxe-là, mais c'est ce qui se fait plutôt bien rapidement. Pour information, chez The Edge, donc on a un alternant front qui est rentré dedans sans aucun problème, alors qu'il était très junior, et on a une équipe qui a été assez rapidement séduite par ça, et qui a du coup implémenté du XState dans un petit composant qui est en plus open source. Bientôt open source, vous pourrez aller regarder sur le dépôt de The Edge. Alors, je vais regarder tout de suite, est-ce qu'il y a déjà des petits commentaires pour savoir si je dois clarifier. J'utilise la librairie XState, effectivement, je vous montrerai ça tout à la fin en partage d'écran. Bon, donc là, en gros, on a vu un petit peu la base de XState et des state charts, on a vu un petit peu comment est-ce qu'on le définissait, les énums, le modèle, la définition d'une machine, des transitions, des actions, des services. Et on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin en essayant de regarder bah, si finalement on ne peut pas un peu factoriser et puis essayer de brancher ça sur quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est que bah, là, j'ai un formulaire de sign-in, mais en vrai, hop, je vais sur ma dernière étape, en vrai, bah, je peux aussi vouloir être en forgot your password ou en create your account. Ça, pour moi, la logique, elle est assez similaire, parce qu'en fait, on est dans du formulaire, on est dans de l'authentification, c'est un petit peu mon même champ fonctionnel et logique. Et en plus, bah, c'est assez similaire, c'est un formulaire, j'ai des états, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, je vais pouvoir définir que j'ai une page d'authentification avec un header qui est commun, c'est-à-dire là, bah, le logo de mon entreprise, un titre qui va dépendre de si je suis en mode sign-in ou en mode register, pareil pour du forgot your password, mais que je n'ai pas implémenté là. Et ensuite, bah, je vais pouvoir juste définir
Est-ce que inclure le formulaire qui m'intéresse, register ou sign-in? Par exemple, pour le sign-in, j'ai le remember me ou alors forget your password, ce que je ne vais pas avoir pour le register. Ça, là, la manière dont je l'ai implémenté, j'ai fait trois machines. Je vais avoir une machine pour l'authentification pure, c'est-à-dire l'état, c'est presque du routing à ce niveau-là. Une machine pour le login, une machine pour le register. Donc comment est-ce que j'ai fait ? Vous verrez que déjà là, donc j'ai mis Use Machine, et puis j'utilise un provider. Donc on est dans du React, j'ai fait du React Context. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? C'est aussi pour montrer qu'en fait, XState, ça peut être utilisé avec d'autres librairies de gestion de modèles. Typiquement, utiliser du React Context, ça a du sens. Sauf que là, au lieu d'utiliser du contexte pour stocker du state, je vais stocker mes machines. Et ensuite, derrière, je vais accéder à mes machines. Mes machines, elles vont garder leur état local, elles vont garder leur state, l'endroit où elles sont, etc., etc. Et puis, je vais pouvoir les récupérer là où je veux. Mon host machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est hyper simple. Je démarre en état de sign-in. Si jamais je suis en état de sign-in, je peux aller en register ou je peux aller en forgot. Puis si je suis en register, je peux aller en sign-in ou je peux aller en forgot, etc., etc. Vous verrez, j'ai un petit bug à un endroit. C'est que là, sur le forgot, si je réponds à l'événement forgot, je passe en sign-in. Ce qui n'est pas possible et on verra comment on peut le tester juste après. Donc cette machine-là, elle est hyper simple. Il n'y a même pas de fonction, de guards, de conditions, quoi que ce soit. J'ai des événements. Ces événements, ils sont très déterministes, validate, update form, et encore, on n'en a même pas besoin là. J'ai mes états, register, sign in, forgot, authenticated. OK. Et puis à côté, j'ai ma machine de login et ma machine de register. On avait vu ma machine de login tout à l'heure. Là, elle est similaire, sauf qu'en fait, je vais l'avoir factorisée. Parce qu'en fait, finalement, un formulaire, c'est toujours la même chose. Un formulaire, je peux être en état d'édition de mon formulaire, je peux être en état de j'ai fini de remplir mon formulaire, je peux être en train de le soumettre à mon API. Du coup, je vais appeler mon API et quand j'ai mon retour d'API, il peut se passer plusieurs choses. Par exemple, j'ai fait trop d'appels, ça peut être le cas sur du login, et du coup, je pourrais dire là, à ce moment-là, je bloque. Ou alors, j'ai validé, mon formulaire il est valide, et du coup, c'est bon. Ou encore, c'est pas bon, le formulaire il n'a pas été accepté par mon API, et du coup, je passe en état de failed. Là, il n'y a rien qui est implémenté. C'est-à-dire que j'ai juste défini cette partie qui est ici, c'est-à-dire les différentes transitions, les différents états. Par contre, si je vais être en login, je vais vouloir appeler ma UI de login. Si j'ai mon register, je vais vouloir appeler mon API de register. Et puis mes conditions, elles ne vont pas forcément être les mêmes. Par exemple, dans le register, je pourrais vouloir avoir le password et un répéter votre password ou alors de demander à uploader une image, etc., etc. Ce que je n'aurai pas dans mon login. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une interface de services, c'est-à-dire les guards, les API, les fonctions qui peuvent être invoquées et les side effects qui peuvent être invoqués pour tous mes formulaires. Et ça, là, je l'ai fait pour le login et pour le register, mais ça pourrait être très bien pour d'autres formulaires. Donc là, on va voir est-ce que mon form il est complete, est-ce qu'il est incomplete, validé, etc., etc. Je vais pouvoir le submit, ce qui va appeler, invoquer une fonction qui, elle, va renvoyer une promesse, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais implémenter. Donc dans mon login, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais définir que mon contexte est login, password et éventuellement un message d'erreur. Je vais définir ce que c'est que isComplete. Hop, je vais définir ce que c'est que isIncomplete. isIncomplete est simple, c'est le not isComplete. Est-ce qu'il est validé ? Là, ça va être par exemple si jamais mon API il est censé m'envoyer soit true, soit false pour l'authentification. Mon formulaire il est valide, il est bon, il est confirmé, on va dire. Si jamais j'ai mon boolean est true. Et puis là, pour le moment, je ne vais pas avoir implémenté ma logique de blocage. Donc, je vais juste renvoyer false. Par contre, si jamais je voulais à un moment donné implémenter cette feature, j'ai plus qu'à l'implémenter à cet endroit-là et à brancher la UI de blocage, par exemple en affichant un message en rouge, en bloquant, en mettant un disable sur tous mes composants, etc., etc. Ici, ça n'a pas bougé. J'ai toujours ma fonction de submit async qui est la même.
Et puis là, j'ai pas grand chose d'autre. En fait, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que je vais récupérer mon login, mon password. Par contre, je vais rajouter un petit message de invalide si jamais c'est pas bon. Je ne sais plus si ça se fait par exemple ici. Il faut que je remplisse d'abord. Je ne suis pas sur la bonne étape, c'est pas grave. Donc voilà pour la factorisation. Et en fait, si je vais sur le register, c'est pareil, sauf que mon contexte est différent. Là, je vais avoir rajouté des petits messages et puis je vais avoir rajouté un est-ce que je veux recevoir votre newsletter. Et puis je vais définir une autre submit async qui va définir une autre, qui va appeler une autre API. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça déjà, c'est quand même plutôt pas mal parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que un, on peut utiliser du React Context ou éventuellement du Redux ou ce que vous voulez utiliser en termes de gestion centralisée de la donnée, mais où on ne va pas forcément stocker la même donnée. C'est-à-dire que dans la machine, on va stocker vraiment l'état partiel qui est lié à la machine, donc par exemple là notre login, notre password, alors que dans mon React Context, je vais maintenant stocker ma machine elle-même et du coup les événements que je peux lui envoyer. Mais ça c'est pratique parce que ça veut dire qu'en fait on peut avoir une transition aussi progressive et garder les librairies qu'on utilise à d'autres endroits, déjà dans son application ou dans sa société. Qu'est-ce qui va être bien avec XState aussi, c'est le test. On sait tous que tester de la UI, c'est quand même pas simple, c'est souvent assez long. Et en plus, on ne va pas toujours tester ce qu'il faut aux bons endroits. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Si jamais là, je devais prendre ce formulaire, ben, l'air de rien, il y a beaucoup de choses à tester. Il y a les clics, il y a la UI, il y a la réactivité, quand est-ce que ça s'est disabled et compagnie. Ce qui va être bien, c'est que du coup, on va pouvoir se concentrer sur le test purement UI d'un côté et sur le test plus logique de l'autre. Par exemple, hop, on va aller sur mon form machine test. Mettons que je sois en état d'édition. Donc là, je vais définir, je vais créer ma machine, je vais lui passer ma configuration, donc avec un mock, pas très compliqué. Et du paramètre que je peux lui passer. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vérifier que par défaut, ma machine elle est en état d'édition. C'est ce que j'avais tout à l'heure, et je veux m'assurer que ce soit le cas, et que je ne peux pas arriver dans un état de déjà complété, ou de blocage, ou d'authentifié. Ce que je pourrais vouloir faire si jamais je lui passe de la data de base avec authentifié, le cookie d'authentification, le renouveler, ce genre de choses. Et puis derrière, je vais m'assurer que ma forme n'est pas, et mon isDone est falsy, puisque je l'ai passé là. Par contre, ce n'était pas le bon fichier de test. On va aller sur hostmachine.test. Celui-là est le plus simple. Rappelez-vous, le hostmachine, c'est tout simplement le sign-in register forgot. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir tester? C'est un peu toutes les transitions. Par défaut, je suis en état de sign-in. Si jamais j'ai initialisé ma machine et que je veux la faire transiter vers l'état de register avec un événement. Donc là, par exemple, je clique sur register, ça correspond à ça, sauf que ce n'est pas de la UI, c'est purement de la logique. Derrière, je veux m'assurer que ma machine, elle est dans un état de register. Si jamais je suis en état de sign-in, qui est donc mon état de base, que je clique et que j'ai du coup un événement forgot, je veux être sûr que j'arrive dans l'état forgot. Rappelez-vous, je vous avais montré tout à l'heure, on avait une petite erreur. Cette petite erreur, c'était quoi? C'est qu'en fait, en état de forgot, je pouvais répondre à l'état de forgot, mais pas à l'état de sign-in. Donc, je ne pouvais pas revenir vers mon sign-in. Ça, en fait, c'est hyper visible avec un petit test. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans un état de base. Je vais lui dire, je veux répondre à l'événement forgot. Donc là, je vais ensuite relancer un événement de sign-in. Et du coup, je devrais être à nouveau en sign-in. Or là, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma machine, ici, qu'est-ce que j'ai défini? J'ai défini un état forgot où je peux répondre à deux événements. L'événement register et l'état forgot. Et ça, bien sûr, c'est une erreur. Ça aurait dû être l'état sign-in. Donc là, qu'est-ce que je fais? On m'a reporté un bug. J'ai mon test. Maintenant, on va dire que je l'ai écrit. Et là, tout est bon.
Et effectivement, maintenant, à partir de mon état forgot, je peux répondre à mon état de sign-in, ce qui n'était pas possible avant. Donc on a vraiment, encore une fois, cette séparation des responsabilités. L'autre intérêt aussi, c'est que on peut creuser beaucoup plus en termes de typage. C'est-à-dire que là, j'ai un typage de base, entre guillemets, mais on pourrait aller encore plus loin, à la fois au niveau du contexte qui est disponible dans chaque état, mais on peut aussi aller nester des machines. Donc là, je ne l'ai pas fait dans cet exemple, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pourrais très bien dire, par exemple, que j'ai une machine qui va faire de l'appel à une API, rajouter plein de choses autour qui est spécifique à mon appli. Par exemple, si jamais j'ai des API authentifiées, à chaque fois, je pourrais peut-être avoir une erreur qui est que je ne suis plus authentifié parce que mon token il a expiré et que du coup, je déclencherais un événement qui est de me désauthentifier, enfin de me sign out, de gérer mon cache, d'aller vers un état qui est il faut à nouveau se sign in. Et ça, ça me permettrait de le factoriser, de l'avoir dans chaque machine qui est, je ne sais pas, par exemple, nous, on a un formulaire avec de la recherche d'hôtel. Donc, je vais vouloir rentrer la date d'arrivée, la date de départ, le combien de nuits du coup j'ai, dans quelle ville j'ai envie d'aller. Cette partie-là, elle est authentifiée pour nous. Et bien, si jamais mon authentification n'est plus valide, et bien, ma machine qui gère, elle, les formulaires de recherche, elle va insérer sa machine d'authentification et d'appel à l'API. Et si jamais j'ai une erreur, c'est géré de manière globale partout dans toutes mes autres machines. Qu'est-ce qui est pas mal aussi avec Kickstate, c'est qu'en fait, je peux avoir un visualizer. Typiquement, ici, j'ai mis le code, cette fois-ci, là, en JavaScript, mais il commence à supporter le TypeScript là-dessus, de mon formulaire, donc ma form machine. Par exemple, ici, on voit que j'arrive en état d'édition de base, que je peux répondre à l'événement onUpdate, auquel cas je boucle, et à l'update form complete. Enfin, en tout cas, j'ai une transition qui me permet d'aller sur l'update form complete. Mon editing complete, il peut lui aussi revenir vers l'édition ou il peut aller vers du validate. Si je vais sur du validate, j'ai une invoke, donc cet état transitoire. Cet état transitoire, il peut avoir trois résultats qui est c'est correct, donc done et c'est validé, ou c'est done mais il y a une erreur, ou il y a une erreur globale. Donc là, c'était lié aux conditions de validation de la donnée, alors que là, c'est si jamais j'ai une exception, par exemple. Et ensuite, derrière, en fonction de ce que j'ai, je vais pouvoir aller soit vers du validated, soit vers du failed, du blocked, etc. Donc, je vous ai déjà dit, c'est pas une lib qui est hyper simple initialement, mais en réalité, une fois qu'on rentre dedans, tout est très explicite. Et notamment, c'est le genre de code qu'on a en général envie de faire à plusieurs, puisque tout ce qui est logique pure de mon appli, c'est quand même quelque chose de complexe, où il peut y avoir des bugs qui sont vraiment embêtants d'un point de vue utilisateur. La meilleure manière qu'on ait trouvé de le faire, nous, c'est de le faire en équipe. Et maintenant, donc, moi, j'ai changé d'équipe, et cette équipe a continué à travailler avec X8, créer des nouvelles machines, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature qui est assez importante, ils se posent ensemble et en pair programming, ils définissent là on va avoir tel état, là on va avoir telle transition, là on va avoir tel side effect. L'autre chose qui est vraiment très pratique, c'est qu'en fait, là si vous regardez tout le code que je vous ai montré sur les machines, ma form machine, la définition de ma form machine avec les différents états, les énums, etc. L'implémentation ici des actions et autres, tout ça c'est du TypeScript pur. C'est-à-dire que là, je n'ai pas du React. Le seul endroit où j'ai du React, c'est dans ma UI. Par exemple, là, mon login Xstate. Ici, j'ai du React, donc j'ai du TSX. Et ça, c'est parce qu'en fait, Xstate, c'est complètement agnostique en termes de framework. Vous pouvez l'utiliser, là je l'ai montré dans du React, mais vous pourriez l'utiliser dans d'autres types de framework. Et donc j'en reviens au début de mes slides, c'est qu'en fait, c'est quand même pas mal de faire cette séparation
des responsabilités, puisque du coup, on va avoir vraiment d'un côté mes fichiers, mes composants de UI, avec des bugs qui sont spécifiques à de la UI. De l'autre côté, on va avoir de la logique, avec du coup XState, avec des interfaces, avec une implémentation de mes invocations qui va, elle, après, appeler mes API, et avec des bugs qui peuvent être éventuellement spécifiques, et surtout des tests qui sont spécifiques. D'un côté, des tests de UI, de l'autre côté, des tests de logique. Et le fait de le rendre agnostique, c'est quand même vraiment bien, parce que, bon, OK, aujourd'hui, par exemple, on fait du React, mais il faut savoir que quand on a fait ce gros refactoring, il y avait de l'Angular, et je me suis dit, si un jour l'équipe veut changer de framework, au moins toute la logique qui est au cœur de notre projet, elle sera facilement transposable et récupérable, et du coup, il n'y aura plus finalement qu'à brancher la partie d'interface. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser XState, ou à minima de creuser le sujet, de faire un petit POC, d'aller sur GitHub voir le repository. En tout cas, je vous invite à poser des questions si vous en avez là. Eh ben, merci beaucoup Aurélien, c'était top. Du coup, on va attendre les questions un petit peu du public qui arrive. En attendant, moi je peux commencer à t'en poser peut-être quelques-unes. Donc là, tu parlais du fait qu'avant de faire une fonctionnalité, vous vous posiez pour potentiellement en fait écrire une machine à état. Est-ce que tu as un petit peu des astuces pour permettre d'identifier à quel moment une fonctionnalité, vous pouvez vous contenter par exemple d'utiliser les features de React, notamment les hooks, ou le moment où peut-être là, vous sentez que justement, vous avez besoin de partir plus sur cette solution. Alors en vrai, maintenant, moi, je l'utilise pratiquement tout le temps. Dès que j'ai du modèle, du domaine, en fait. Éventuellement, là où on pourrait utiliser des hooks, c'est si jamais on veut avoir quelque chose qui est purement au niveau de ton composant et avec et plutôt de l'interface. C'est-à-dire que si jamais tu veux, mettons, contrôler que ton utilisateur, on va lui afficher une petite pop-up d'aide et puis il va pouvoir la fermer. Donc, tu vois, par exemple, sur du tips ou alors sur de l'animation ou sur le fait d'avoir ce genre de choses qui est purement UI. Dès que tu vas avoir quelque chose qui est de l'ordre du domaine, c'est-à-dire où tu vas avoir en général un workflow, en fait, là, tu es dans du cadre de modèle, tu es dans du cadre de logique, et à partir du moment où tu es sur de la logique, en général, c'est une bonne chose de définir tous les états possibles, toutes les transitions possibles, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'un point de vue utilisateur. Et pour te donner un exemple, notre UX manager, elle est pas du tout, elle sait pas du tout coder, elle connaît pas du tout XState ou les workflows, les machines à état, ce genre de choses. Mais en fait, elle, dans ses maquettes de base, donc des maquettes réactives aussi, hein, avec InVision et tout, de base, en fait, elle s'était fait des workflows comme ça d'utilisateurs. Mmh. Et c'était très, très simple pour nous, du coup, de caler notre logique dev métier sur sa logique UX, puisqu'elle avait déjà raisonné de cette manière-là. Et c'est normal, puisqu'en fait, elle, en tant que UX, elle réfléchit à qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et du coup, quelles sont les différentes étapes. Donc, derrière, ça, c'est de la logique utilisateur, c'est du workflow. Du coup, c'est idéal pour ça. OK. J'ai une petite question supplémentaire. Du coup, tu parlais du fait que là, vous mettiez vos machines à état plutôt au niveau composant / fonctionnalité. Et tu parlais en fait d'avoir un state centralisé. Est-ce que vous avez un state centralisé à côté? On peut avoir certaines choses qui sont dans du React Context. On n'utilise pas, enfin moi j'utilise pas Redux. Donc ça dépend des équipes. Hein. Il y a des équipes qui utilisent Redux, mais en général pas. C'est pas des équipes qui utilisent XState. On peut avoir éventuellement du contexte qui va nous permettre d'avoir du stockage de données centralisé aussi. Et pour être honnête, c'est là où on a eu des bugs. C'est-à-dire que les quelques cas où on n'avait pas ce contexte dans de la machine. Mais en fait, il se retrouvait dans cet autre endroit alors qu'il aurait dû faire partie de notre machine parce qu'en fait, il faisait partie de cette logique, de ce workflow qui était défini par la machine.
mais de manière temporaire, on l'avait stocké à l'endroit où il y avait on avait déjà un React Context qui était défini, et on a eu quelques bugs à cet endroit-là. Ça peut être par contre intéressant si jamais tu veux stocker ton authentification. Donc là, j'ai parlé du workflow d'authentification. Donc vraiment le fait de register, login, d'avoir de la data temporaire, ce genre de choses. Mais tu peux très bien stocker ton token ou qu'est-ce qui se passe dans un React Context. Ça, c'est pas un souci, parce qu'en fait, c'est centralisé au niveau de ton appli. Si jamais ton workflow, il n'est pas défini par une machine, ce qui n'est pas très très grave, à la limite, ta machine, elle va te dire à un moment donné, là, j'ai pas le droit d'y accéder, ou alors mon token a expiré, ou ce genre de choses. Tu le catches, derrière tu vas mettre à jour ton React Context, et puis ça, c'est toi qui définis ce que tu veux. La seule chose, c'est que quand tu es dans un workflow, quand tu commences à avoir une machine, c'est toujours la même chose, il vaut mieux le mettre au même endroit. C'est comme quand en Redux, tu vas te mettre à utiliser la même data, mais que tu vas la dupliquer à deux endroits différents dans ton arborescence, c'est là où tu commences à avoir des bugs. Ok, j'ai une dernière question pour toi. C'est donc du coup, vous avez mis ce pattern en place côté front-end. Ouais. Est-ce que tu as pu l'utiliser aussi côté back-end ou c'est pas forcément quelque chose que tu recommanderais ? Alors, en back-end, nous, on est plutôt sur tout ce qui est pattern REST, donc avec du stateless. C'est pas forcément recommandé aujourd'hui. Après, il peut y avoir des cas où ça peut être recommandé. Je pense par exemple à des dans du jeu vidéo où tu pourrais avoir au niveau de ton serveur l'état dans lequel la room, la partie en cours est. Dans ces cas-là, tu es dans du stateful, et dans ces cas-là, ça peut être justement très intéressant d'avoir une state machine. Dans le cadre du jeu, justement, définir quelles sont toutes les actions possibles, c'est pratique, parce qu'en fait, ça veut dire que, mettons que tu as un événement d'un cheater qui arrive, l'événement, il va rien se passer, puisqu'en fait, il n'est pas possible fonctionnellement. En revanche, à partir du moment où tu vas être dans des cas plus typiques d'applications mobiles, d'applications web, où tu es sur du REST, là, en général, tes API, elles sont stateless, et du coup, ça n'a pas de sens de faire de la machine. Parce qu'en fait, c'est comme si tu charger ta machine pour derrière gérer un truc qui vient d'arriver pour ensuite renvoyer et tuer ta machine. En fait, là, à ce niveau-là, du coup, dans tes API, il vaut mieux avoir quelque chose de plus classique, c'est-à-dire tu récupères ta donnée dans ta database, tu récupères ce qui se passe dans ce qui est passé dans ton API, tu fais des validations et ensuite derrière, tu renvoies ce qu'il faut. Mais là, en fait, comme dans du front, on est dans un état qui évolue et autres, ça a beaucoup plus de sens d'utiliser ce genre de fonctionnement. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. Et du coup, moi, je vais vous poster un lien dans le chat pour pouvoir faire des retours à Aurélien, qui va arriver là maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Vous allez voir, c'est assez facile d'utilisation. Et puis, du coup, merci beaucoup Aurélien. Merci Yannick. Jimmy, et on se revoit un petit peu plus tard. Salut. Et bienvenue, Jimmy. Hello. C'est bon, tout le monde m'entend ? Eh bien oui, tout le monde t'entend. Donc du coup, c'est à ton tour et je te dis à tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure, merci. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Jimmy, je suis très content d'être au Node.js ce soir et je vais vous parler du coup à la fois d'Angular, de React et de Vue. Alors du coup pour donner un petit peu de contexte au sujet, moi ça va faire bientôt 5 ans que je travaille chez Zenica, qui est une société de services, et donc je réalise des missions principalement en tant que développeur ou que lead dev, et donc je travaille très très régulièrement avec du JavaScript. Et donc, au travers des différentes missions que j'ai faites, j'ai eu l'occasion de travailler avec Angular, mais aussi avec React et avec Vue. Et en fait, au début, quand j'ai commencé du coup à passer d'un framework à un autre, j'avais un petit peu peur de pas pouvoir capitaliser sur ce que j'avais appris à faire avec Angular, par exemple. J'avais peur de devoir réapprendre plein de choses, plein de concepts, et au final de repartir un petit peu de zéro. Et en fait, au fur et à mesure que je découvrais du coup que ce soit Angular, Vue ou React, je me suis rendu compte que il y avait énormément de similarités
et qu'il y avait au final plein d'éléments qui étaient communs au framework. Et donc, bah, l'idée du sujet de ce soir, justement, c'est de vous montrer un petit peu les principaux éléments que l'on va rencontrer presque tout le temps dans une application web et qui sont au final pas si différents d'un framework à un autre. OK. Alors, tac, voilà. Donc, un des concepts cœur, que ce soit d'Angular, React ou Vue, ça va être la programmation orientée composant. Et pour bien comprendre du coup ce que c'est la programmation orientée composant, il faut déjà bien comprendre ce qu'est un composant dans sa définition la plus simple. Hop là. Ouais, petit problème, excusez-moi. On recommence. Alors, un composant, dans sa définition la plus simple, du coup, ce n'est que deux choses au final. C'est de la logique associée à une vue. On va pouvoir évidemment, par exemple, trouver du style associé à notre vue, mais dans sa définition la plus simple, la plus universelle à travers Angular, React et Vue, un composant, c'est uniquement ça. C'est une logique associée à de la vue. La logique va être représentée par du code, que ce soit du code JavaScript ou même du code TypeScript. Et la vue, elle, va être représentée par de l'HTML et très souvent par plutôt une syntaxe qui est très proche de l'HTML, mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires bien pratiques. L'idée d'un composant, c'est que du coup, on va encapsuler dans une espèce de boîte, en fait, au même endroit, notre logique et notre vue, et on va pouvoir facilement les faire communiquer entre eux. Donc, on va pouvoir très facilement faire transiter des informations de notre logique vers notre vue. Par exemple, faire descendre des données que l'on aura créées de manière programmatique ou qu'on aura récupérées depuis un serveur, par exemple. Et on aura aussi également très facilement la possibilité de faire remonter des informations de notre vue vers notre logique. Typiquement, avec un des exemples qu'a fourni Aurélien tout à l'heure, le fait d'avoir un formulaire en lettre de connexion, typiquement, c'est ce genre d'information que l'on va pouvoir faire remonter de notre vue vers notre logique. On va être capable très facilement d'extraire les informations rentrées par un utilisateur dans notre champ et de les envoyer dans la logique de notre composant pour effectuer un traitement de vérification ou ce genre de choses. Donc, au final, la programmation orientée composant, c'est quoi? La programmation orientée composant, ça consiste simplement à créer des composants pour construire notre application. Dans le cadre, par exemple, d'une application, on peut très facilement se retrouver avec une page d'accueil. Et dans ce cas-là, on peut imaginer avoir un composant qui soit en charge de toute notre page d'accueil, qu'on pourrait, par exemple, nommer HomePage Component. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans des applications réelles, on ne va pas avoir qu'un seul composant. On va se retrouver avec une multitude de composants qui vont nous servir à gérer toutes les parties de notre application. Donc, on va plutôt se retrouver très souvent avec quelque chose comme ça. Si on garde l'exemple de notre page d'accueil, on va pouvoir avoir un composant qui est en charge de la page d'accueil dans sa globalité, mais à l'intérieur, on va également trouver un composant qui va être en charge que de la navbar, un composant qui va être en charge que du footer, un composant qui va être en charge du contenu principal et même un autre composant qui va être en charge du formulaire sur notre page d'accueil, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va se retrouver à créer une multitude de composants qu'on va pouvoir utiliser entre eux. Ce qui va être intéressant également et que l'on va retrouver à travers les trois grands frameworks, c'est que on va retrouver un mécanisme de composition. Le mécanisme de composition, c'est simplement la possibilité d'utiliser un composant au sein d'un autre composant. Ici, on imagine encore une fois que l'on est au niveau de notre page d'accueil. Du coup, on a un composant qui va représenter notre page d'accueil. Et au sein de ce composant, on va donc, par exemple, utiliser un autre composant pour représenter notre navbar. Voilà. Donc, le mécanisme de composition, c'est ça. Et au final, construire une application web, que ce soit avec Angular, React ou Vue, très souvent, dans la majorité du travail que l'on va faire, en fait, c'est construire des composants et les utiliser au sein d'autres composants pour, comme ça, définir l'intégralité de l'application web que l'on souhaite créer. Maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble la création de composants au travers des différents frameworks. Alors, avec Angular, ça ressemble à quelque chose comme ça. Un composant Angular, ça commence par une classe TypeScript. On va retrouver toutes les informations classiques que l'on peut retrouver dans une classe TypeScript, donc des propriétés, des méthodes, etc.
ce qui va rendre cette classe spécifique, ce qui va nous permettre d'indiquer en Angular en fait que cette classe correspond non pas à une simple classe TypeScript, mais à un composant. C'est une annotation que l'on va placer sur la classe qui s'appelle addComponent. Donc cette annotation, elle nous sert à indiquer en Angular que bah, cette classe-là, ça correspond à la logique d'un composant. Ensuite, au niveau de notre annotation, on va pouvoir renseigner des métadonnées et on va retrouver principalement, enfin très souvent plutôt, deux informations. La première, c'est un sélecteur. Donc c'est un simple sélecteur CSS qui va permettre d'indiquer à Angular quand est-ce que mon composant doit être instancié. Quand Angular en fait va afficher notre application, il va avoir du coup certaines balises en fait à afficher, des balises HTML classiques, mais également des balises un petit peu particulières. Et en fait, Angular, pour chaque balise qu'il va avoir besoin d'interpréter, il va regarder si cette balise correspond à un sélecteur CSS d'un composant défini dans mon application. Et s'il se rend compte que quelque chose match, alors automatiquement, il construit mon composant. La deuxième propriété que l'on trouve très souvent au niveau d'un composant, c'est la propriété template URL, qui va me permettre de fournir un chemin relatif vers le fichier de vue, en fait, vers la vue de mon composant. Donc ici, on voit qu'il s'appelle appcomponent.html. Ma vue, à quoi ça ressemble avec Angular, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc on voit déjà tout de suite que c'est très très proche de l'HTML natif au final. On va juste retrouver quelques éléments un petit peu particuliers. Le premier élément un petit peu particulier que l'on peut remarquer ici, c'est au niveau du H1. On va trouver des doubles accolades. Ces doubles accolades, ça représente le mécanisme d'interpolation d'Angular. En fait, au sein des doubles accolades, on va pouvoir fournir une expression. L'idée étant que cette expression, ici une simple variable title, quand mon composant va être affiché à l'écran, plutôt que d'afficher simplement title, mon expression, ici ma variable, donc, va être évaluée. Donc, je vais me retrouver à afficher le contenu, ce qui est la valeur de ma variable, title. On voit également, au niveau de ma vue, que j'utilise un bouton. Mais ce bouton, il est un petit peu particulier. On connaît tous l'élément HTML button natif, mais ici, on a un tag qui s'appelle my-button. Donc ça, ce n'est pas un tag HTML natif. Donc on suppose que ça va correspondre justement à un autre composant. Donc on revient à cette histoire de sélecteur. Ici, à partir du moment où cette balise va correspondre au sélecteur CSS d'un autre composant, Angular va le détecter automatiquement et va instancier le composant en question. Et c'est comme ça, en fait, que s'utilise le mécanisme de composition que j'ai évoqué un peu plus tôt. Pour utiliser un composant dans un autre, en fait, on va se baser sur le template du composant parent et on va utiliser une balise qui va désigner mon composant enfant. Ensuite, pour ce que l'on va retrouver également un cas d'utilisation des composants très fréquent, ça va être de faire transiter des informations d'un composant parent à un composant enfant. Ça va se passer aussi au niveau de notre template. Ici, on voit que l'on a fourni différentes informations à mon composant désigné par my-button. On lui a passé un type, on lui a passé un label, ici updateTitle, et on lui a également placé un élément un petit peu particulier désigné avec des parenthèses le terme click. Donc, cette notion de parenthèse, ici, c'est ce que l'on appelle de l'event binding. En fait, en utilisant des parenthèses et en plaçant entre ces parenthèses le nom d'un événement, automatiquement, on va se mettre en écoute sur cet événement. En valeur, on va fournir ensuite une expression. Donc ici, on va appeler une méthode. Ce qui va se passer, c'est que rien qu'en faisant ça, automatiquement, dès que au niveau de mon bouton, l'événement click sera émis, alors ma méthode, updateTitle, qui est donc elle définie dans mon composant parent, sera déclenchée. Et donc, de cette manière-là, en utilisant des propriétés et de l'écoute d'événements, on est capable de faire transiter des informations dans les deux sens. On crée ce que l'on appelle une liaison bidirectionnelle. Autrement dit, on est capable de faire descendre des informations d'un composant parent à un composant enfant, et on peut faire remonter aussi facilement des informations d'un composant enfant à un composant parent. Voilà. À quoi ressemble la même chose avec Vue? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc là, l'exemple est en Vue 3, mais avec Vue 2, c'est globalement la même logique, juste un tout petit peu plus découpé. Au niveau de la définition d'un composant avec Vue, on va passer par un objet de configuration.
Et notamment, la majorité des choses que l'on va définir va se trouver dans une méthode ici des setup. On va retrouver exactement les mêmes informations que j'ai définies tout à l'heure dans mon composant créé avec une classe avec Angular. Je vais créer une variable title. Pour créer ma variable, ici, j'utilise une fonction un petit peu particulière au niveau de vue qui s'appelle ref, qui va me permettre de créer une variable réactive. L'idée étant d'indiquer à vue explicitement que potentiellement cette variable va pouvoir changer à un moment donné dans mon composant, que si jamais cette variable change, automatiquement, vue doit faire attention à ce que ma vue soit à jour vis-à-vis de ma nouvelle valeur. Voilà. Je vais créer une fonction, tout ce qu'il y a de plus classique, et pour rendre tous les éléments que j'ai créés accessibles directement au niveau de mon template, je vais retourner tout ça depuis ma fonction setup. Voilà. On peut remarquer ici qu'on a également une propriété juste au-dessus de la méthode setup qui s'appelle components, dans laquelle on va trouver ici un myButton. Quand j'utilise cette propriété au niveau d'un composant vue, j'indique explicitement que justement dans mon composant, je souhaite utiliser un autre composant, ici le composant désigné par la variable myButton. Donc voilà au niveau de la définition d'une logique au niveau d'un composant en vue. Et ensuite, au niveau de la vue à proprement parler, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, on peut remarquer tout de suite qu'il y a énormément de similitudes vis-à-vis de ce que l'on a vu au niveau de la vue, de ce que l'on a vu, pardon, dans le template de notre composant Angular. On retrouve exactement le même mécanisme d'interpolation à l'utilisation, avec les doubles accolades à l'intérieur desquels on va trouver une expression. On va trouver également une balise qui va désigner un composant enfant. Donc le mécanisme de composition est lui exactement le même également, avec des propriétés, un type, un label, et on peut également se mettre aussi en écoute sur un événement depuis notre composant enfant. Dans ce cas-là, la seule différence de syntaxe, c'est que au lieu d'utiliser des parenthèses à l'intérieur desquelles on va trouver le nom de l'événement, on va préfixer le nom de notre événement par un at. Voilà, un arrobase. Mais là, on voit déjà que c'est extrêmement similaire de définir un composant Angular et de définir un composant vue. Évidemment, il y a quelques différences de syntaxe. Un coup, on utilise une classe, un coup, on utilise un objet, par exemple, dans le cadre de la logique. Mais derrière, le concept reste le même et on peut globalement faire la même chose. Enfin, comment on fait pour définir un composant avec React? Alors, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières de faire pour définir un composant avec React. Soit on utilise une classe, soit on utilise une fonction. Depuis quelques années déjà, maintenant, React recommande beaucoup plus de créer des composants dits fonctionnels, donc de créer des composants à l'aide de fonctions, plutôt qu'avec des classes. Donc là, tous les exemples que je présenterai ne se baseront que sur des composants fonctionnels avec React. On a la même possibilité de créer des variables au niveau de notre composant. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec React, dans notre fonction, tout le corps de notre fonction va correspondre à la logique de notre composant. La vue, quant à elle, sera désignée par le retour de ma fonction. Donc ici, au niveau de ma logique, j'ai fait que deux choses. J'ai défini une variable et une fonction qui me permet de modifier cette variable. Pour cela, j'ai utilisé une fonction un petit peu particulière qui est fournie par React, qui s'appelle donc le useState, qui va me permettre d'avoir une variable en fait dont l'état va rester constant, même si ma fonction qui définit mon composant est réappelée plusieurs fois. Voilà. Ce useState, en fait, il me renvoie deux éléments quand je souhaite créer une variable. On peut lui fournir déjà en paramètre une valeur par défaut. Et ensuite, il me renvoie donc deux éléments. Le premier élément étant la variable que je souhaite créer et le deuxième élément étant une fonction qui va me servir justement à modifier cette première variable. Et donc, comme je vous le disais, la vue de notre composant avec un composant React est représentée par le retour de notre fonction. Alors, la syntaxe qui est utilisée est un petit peu particulière. C'est ce que l'on appelle du JSX. Donc, c'est très similaire, encore une fois, à de l'HTML natif. Et l'idée du JSX étant de nous permettre de bénéficier de tous les mécanismes que l'on connaît déjà en JavaScript pour manipuler notre vue. On va retrouver ce mécanisme d'interpolation. Simplement, ici, au lieu d'utiliser des doubles accolades, on va utiliser des simples accolades. Mais globalement, c'est exactement la même chose. Ensuite, on y fournit une expression et cette expression est évaluée.
Et on va utiliser le mécanisme de composition de la même manière qu'avec Vue et avec Angular. Donc, on va placer au sein du template de notre composant parent une balise qui va désigner notre composant enfant. Et à travers cette balise, on va fournir toutes les informations que l'on a besoin de faire descendre. Donc, par exemple, un type, un label, encore une fois. Et on peut se mettre en écoute sur notre événement. Là encore, il y a une toute petite différence de syntaxe. On va préfixer notre événement, cette fois du terme on, et placer le nom de notre événement en majuscule. Mais sinon, ensuite, c'est exactement la même chose. On lui fournit une fonction et cette fonction est appelée automatiquement dès que l'événement en question est émis. Voilà. Donc, rien qu'à travers ces petits exemples, qui sont évidemment assez simples, hein, ce sont des composants très simples, qui sont vraiment juste là pour l'exemple, on peut remarquer que il y a vraiment énormément de similarités. Alors, en termes de syntaxe, on va avoir quelques différences. On va, par exemple, utiliser une classe avec Angular, plutôt un objet avec Vue et plutôt une fonction avec React. Mais derrière, les éléments que l'on peut créer au niveau de nos composants sont les mêmes. La façon de manipuler notre Vue va globalement être la même. Il va y avoir que quelques petites différences de syntaxe qui vont faire la différence entre les frameworks. Mais le concept du composant à proprement parler, d'une logique associée à notre vue, de la façon dont on associe notre vue à notre logique et la façon dont on va faire remonter des informations d'un composant parent à un composant enfant, par exemple, lui reste exactement le même. Ce qui veut dire que si vous savez le faire avec un des frameworks, globalement, vous savez le faire avec les deux autres. Donc voilà pour la définition d'un composant. Maintenant, on va regarder deux, trois autres éléments que l'on va retrouver très, très fréquemment quand on crée des applications web avec un framework. Par exemple, la notion de routing. Alors, quand je parle de routing, ici, je parle véritablement de routing uniquement côté front. Donc, le fait de gérer le changement de URL de notre application avec un mécanisme applicatif depuis notre application front-end. Et pas le fait de redemander, le fait de configurer notre serveur web pour que quand il soit interrogé sur tel ou tel endpoint, automatiquement nous renvoie quelque chose de différent. Là, on parle vraiment juste de routing côté front-end. Et ben, le routing côté front-end, au niveau des trois frameworks, il fonctionne globalement de la même manière. C'est un routing qui est orienté composant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque, on va pouvoir configurer facilement notre application pour que, en fonction d'une partie, pardon, de notre URL, on affiche un composant en particulier. À quoi ça ressemble avec Angular? On va faire, notre configuration va être représentée sous la forme d'un tableau. Un tableau d'objets. Au niveau de chacun de ces objets, chaque objet représentera une route en particulier. Ici, dans notre objet, on va trouver une propriété pass qui va nous permettre d'indiquer du coup la portion d'URL que l'on souhaite matcher, donc qui se fait vis-à-vis de la racine de notre application, et le composant que l'on souhaite afficher en fonction du coup de notre URL. Donc, dans cet exemple, on indique que à la racine de mon application, j'affiche mon home component. Et quand je suis sur /product/ID, j'affiche le product component. On peut remarquer également au niveau du pass de mon product component qu'il y a un caractère un petit peu bizarre. J'ai pas juste un /ID, j'ai un /2.ID. En fait, on va pouvoir créer des passes avec une notion de paramètre. C'est-à-dire que ici, peu importe ce qui va se trouver derrière mon slash product, je peux avoir 1, 2, 3, 70, 85, 155 000. Peu importe, ce qui viendra derrière product sera placé dans une variable. L'idée étant de pouvoir récupérer justement cette variable et d'effectuer un traitement dans le composant associé. Voilà. Avec Vue, c'est très, très similaire encore une fois. Pour configurer nos routes, on passe également par un tableau avec des objets à l'intérieur. Ces objets, on va retrouver exactement les mêmes propriétés, une notion de pass et une notion de component. Donc une propriété pass et une propriété component. Donc vraiment, là, on est sur du très très similaire. La seule différence, c'est du coup comment on va passer cette configuration à notre routeur, en fait, tout simplement. Ici, notre routeur étant représenté par ce qui est renvoyé par vue-router.createRouter. Mais sinon, la configuration de nos routes, c'est littéralement la même chose. Enfin, avec React, c'est à peine différent. Avec React, ce qui est plutôt recommandé à l'heure actuelle de faire, c'est d'utiliser, en fait, de passer par un composant, tout simplement, pour définir nos routes.
L'idée étant d'avoir une plus grande marge de manœuvre lorsque l'on va vouloir manipuler nos routes, par exemple créer ou supprimer certaines routes en fonction des droits d'un utilisateur. On va pouvoir utiliser le même mécanisme de manipulation de vue pour manipuler en fait les quand je parle de vue ici de template. Donc on va pouvoir utiliser le même mécanisme de manipulation dans nos templates pour pouvoir justement ajouter ou supprimer de manière dynamique des vues des routes pardon au niveau du routeur de React. Mais globalement, ça marche exactement de la même manière. On va définir un pass ici à l'aide du composant route. On va lui fournir une propriété avec le pass que l'on souhaite détecter. Et on fournit entre les balises du composant un autre composant. Donc on réutilise encore une fois ce mécanisme de composition. Et ce composant, donc ici le composant désigné par la balise product, ne sera affiché à l'écran que quand la route en question sera matchée. Voilà. Donc là, on voit bien que à travers les trois frameworks, le routing, il est orienté composant et il est assez simple. On prend un pass, on y associe un composant. Dès que ce pass est détecté dans notre URL, automatiquement notre composant il est créé et il est affiché à l'écran, peu importe le framework. Quelque chose que l'on retrouve extrêmement fréquemment aussi lorsque l'on fait des applications web, que ce soit avec un framework ou non, au final, c'est effectuer des requêtes HTTP. Pour effectuer des requêtes HTTP avec Angular, on a un mécanisme, une primitive fournie par Angular qui est donc la notion de service. Un service étant globalement quelque chose que l'on va pouvoir partager d'un composant à un autre. L'idée étant d'y placer justement tout le code métier ou le code de manière générale qui n'est pas spécifique à un composant que l'on souhaite pouvoir réutiliser. Et donc pour déclencher des requêtes HTTP avec Angular, on peut utiliser un service qui est fourni par le framework qui s'appelle le HTTP Client et qui va nous donner accès à une API très simple en fait pour déclencher des requêtes. Ici, on en a un exemple. On utilise une méthode get au niveau de ce service en fournissant en paramètre l'URL que l'on souhaite interroger. Et petite spécificité à Angular, cette requête va être représentée sous la forme d'un observable et pas sous la forme d'une promesse telle qu'on a l'habitude de le rencontrer en JavaScript natif. Donc voilà, ça c'est une des petites spécificités à Angular. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très bien la possibilité de modifier cet observable que l'on reçoit et de le reconvertir en promesse avec une simple méthode, si jamais on en a besoin. Avec Vue, on est beaucoup plus bas niveau. Vue, par défaut, ne propose pas un élément spécifique qui va nous permettre de déclencher des requêtes HTTP, tout simplement parce que maintenant, ça se fait très bien également en JS natif. Une des API très populaires pour cela, c'est l'API Fetch, qui est maintenant supportée à travers toutes les versions modernes des navigateurs et qui nous fournit donc une API native qui nous permet de déclencher des requêtes HTTP. Donc là, la philosophie, c'est vraiment plus de nous laisser le choix sur le client que l'on souhaite utiliser. Pour utiliser du coup la méthode fetch pour déclencher des requêtes HTTP, ça ressemble à quelque chose comme ça. On appelle la méthode fetch, en paramètre on fournit l'URL que l'on souhaite. Par défaut, cela déclenchera une requête de type get et cette requête sera représentée sous la forme d'une promesse. Voilà, donc ensuite on en fait ce que l'on veut. Et avec React, vous avez vu que le code n'a pas changé parce que c'est exactement la même chose. React nous laisse complètement libre du client HTTP que l'on souhaite utiliser et ne s'embête pas à nous fournir directement une primitive particulière pour déclencher sa requête. Voilà. Donc, il y a une toute petite différence entre ce que l'on va pouvoir trouver au niveau des requêtes HTTP entre Vue et React d'un côté et Angular de l'autre. Mais encore une fois, cette différence, elle est vraiment juste au niveau de la syntaxe plus qu'autre chose. Derrière, on peut très facilement déclencher des requêtes HTTP à travers les trois frameworks sans aucun souci. Enfin, un des mécanismes que l'on retrouve très souvent, c'est la gestion de formulaires. Très très fréquemment dans des applications web, on va devoir à un moment donné gérer des formulaires, que ce soit dans des scénarios assez simples ou des scénarios plus complexes. Avec Angular, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un package dédié qui va nous permettre de gérer facilement des formulaires dans nos applications. Et ce package va nous fournir deux manières de faire globalement. Ce que l'on appelle le template driven form et ce que l'on appelle le reactive forms. Ici, ce que l'on voit à l'écran, c'est ce que l'on appelle du template driven form. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a placé un élément un petit peu particulier qui s'appelle une directive qui est fournie par Angular. On l'a placé au niveau de notre champ. Cette directive, entre autres, va nous permettre de mettre en place une liaison entre une variable définie dans la logique de mon composant et mon champ qui se trouve, lui, dans sa vue.
En utilisant donc cette directive ngModel sur mon champ, et en lui fournissant ensuite le nom d'une variable, donc ici la variable username, je crée une liaison bidirectionnelle. J'indique à Angular que, au niveau de mon champ, si jamais j'ai quoi que ce soit qui se trouve déjà dans ma variable username, automatiquement, il faut que ça se retrouve placé dans mon champ. Et à l'inverse, si jamais mon utilisateur décide de modifier la valeur de mon champ, automatiquement, tout ce que va renseigner mon utilisateur va se retrouver propulsé dans ma variable username. Voilà. Ensuite, la directive ngModel va permettre de donner un petit peu plus d'informations, mais l'élément de base de la gestion des formulaires, juste le fait de pouvoir récupérer ce que rentre mon utilisateur, c'est aussi simple que ça. On place une directive au niveau de notre champ et on crée une liaison entre une variable de notre composant et notre champ. Avec Vue, c'est extrêmement similaire. La seule différence va être le nom de la directive que l'on va utiliser au niveau de notre champ. Au lieu d'utiliser une directive qui s'appelle ngModel, on va utiliser une directive qui, elle, s'appelle vModel. Voilà. C'est la seule différence. Ensuite, on fournit une variable et c'est pareil. Cette variable, on met en place, du coup, une liaison, bidirectionnelle. Automatiquement, tout ce que va renseigner mon utilisateur dans mon champ va se retrouver catapulté dans le contenu de ma variable username. Donc, très, très similaire. Enfin, avec React, c'est à peine plus complexe. React est un tout petit peu plus bas niveau à ce niveau-là. On va se mettre en écoute manuellement et modifier la valeur de notre champ manuellement. Donc globalement, ici, on va utiliser la propriété input, la propriété value au niveau de notre champ et indiquer du coup la valeur de notre champ à quoi elle correspond. Ici, du coup, on lui fournit une variable username. Donc on indique à notre champ que sa valeur correspond à ce qu'il y a dans username. Et donc, username étant évidemment une variable de notre composant. Et on se met en écoute sur un événement qui s'appelle change et qui sera, c'est un événement natif, hein, qui est déclenché automatiquement dès que la valeur de mon champ change. Et donc, pour récupérer la nouvelle valeur de notre champ, comme c'est un événement natif qui est émis, il faut juste connaître au final sa structure. Donc, pour récupérer la nouvelle valeur, il faut aller chercher dans target.value au niveau des données qui seront émises dans mon événement. Donc là, on est au final sur un mode un tout petit peu plus manuel, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit avec la directive vModel au niveau de notre champ ou la directive ngModel au niveau d'Angular, au final, ils font exactement la même chose. C'est juste du sucre syntaxique avec les autres frameworks. Donc là, on voit au final que même au niveau de la gestion de formulaires, dans des scénarios, évidemment, là encore une fois, on est dans des exemples assez simples, mais de manière générale, la gestion des formulaires, ça gère exactement de la même manière. On va avoir des variables dans notre composant qu'on va pouvoir associer à nos champs. Et au niveau de ces variables, on va retrouver toutes les informations que l'on souhaite au niveau de nos champs. Là, on en a vu des exemples très simples où on récupérait uniquement des valeurs, mais il faut bien s'imaginer qu'on va pouvoir récupérer des éventuelles erreurs au niveau de notre champ, des éventuels validateurs, connaître l'état de notre champ, savoir s'il a déjà été modifié par notre utilisateur, etc., etc., pour mettre en place des traitements qui, au final, sont un petit peu plus complexes. Voilà. Donc, au niveau des exemples, on pourrait continuer très longtemps. Évidemment, hein, il n'y a pas que les éléments que je viens de présenter que l'on va effectuer dans une application web complète. Et on pourrait utiliser des exemples beaucoup plus complexes également. Mais là, l'idée, c'était vraiment juste de vous montrer de manière générale en quelques minutes qu'au final, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments au sein de nos frameworks qui sont similaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Déjà, dans un premier temps, on peut conclure que un composant Angular, c'est globalement à peu près la même chose en termes de définition et d'utilisation qu'un composant Vue et qu'un composant React. Après, évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque framework va avoir son implémentation des composants. Mais nous, en tant qu'utilisateurs de ces frameworks, au final, si on sait créer un composant, par exemple, avec Vue, on saura globalement le créer avec Angular ou avec React. Pourquoi? Parce que au final, ce qui est important de comprendre lorsque l'on réalise quelque chose, que ce soit avec un framework JavaScript comme Angular, React ou Vue, ou même de manière plus générale, c'est surtout les concepts de ce que l'on utilise. Le concept de composant, une fois que l'on a bien compris que pour créer un composant, au final, on se contentait juste de créer une vue et de la logique et qu'on les associe entre elles, c'est ça au final le plus important. Derrière, ce qui va être différent entre les frameworks, ça va être la syntaxe. Mais les concepts, ils restent les mêmes sur énormément d'éléments que l'on va manipuler très, très fréquemment lorsque l'on construit une application web.
Donc évidemment, connaître la syntaxe, ça a son importance. Ça va nous permettre d'aller plus vite, de se sentir plus productif et d'être beaucoup plus à l'aise, évidemment. Mais si vous connaissez, si on connaît, pardon, les concepts, bah ça reste vraiment ce qui est le plus important. C'est beaucoup plus facile de savoir ce que l'on a à faire et de n'avoir qu'à rechercher la syntaxe pour réussir à mettre en place notre solution que de connaître la syntaxe d'un framework, mais d'être perdu quant au concept que propose ce framework et de ne pas savoir au final comment solutionner le problème que l'on rencontre. Tout ça pour dire que au final, vous êtes bien plus qu'un développeur Angular ou qu'un développeur React ou qu'un développeur Vue. À partir du moment où que vous avez déjà l'habitude de travailler avec un framework, que vous comprenez ce que vous faites et que vous avez déjà, par exemple, créé des composants, géré des formulaires, etc., au final, des tâches que l'on retrouve, encore une fois, très fréquemment dans n'importe quelle application web, bah, ne vous sentez pas limité, en fait, à ce framework-là. C'est normal d'avoir des préférences au niveau d'un framework, de savoir, de préférer faire de l'Angular ou du React ou du Vue, mais ça ne veut pas dire que vous ne savez faire que ça, bien au contraire. Si vous savez construire une application web complète avec React, par exemple, bah, je peux vous assurer que vous saurez le faire également avec Angular ou Vue. Peut-être pas aussi rapidement, parce qu'évidemment, encore une fois, il y a toujours cette notion de syntaxe qui rentre un petit peu en jeu, mais vous saurez le faire. Vraiment. Voilà. C'était tout pour moi. Maintenant, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à les faire passer à l'organisation du Nord.js. Et bah, je vous remercie. Merci beaucoup, Jimmy. C'était super. En attendant les questions, moi, j'en ai quelques-unes pour toi aussi. Donc, nous as montré que la différence, en tout cas sur les bases, n'était pas si grande que ça entre les frameworks. Et donc, si pour un développeur, au final, ça n'a peut-être pas autant d'importance qu'on voudrait le croire, pour une entreprise, sur quoi elle doit baser son choix quand elle se dit quel stack technique elle va adopter? Ah, ça, c'est une question qui revient très fréquemment et qui est beaucoup moins facile à répondre que ce que je viens de présenter au final. Il y a beaucoup d'éléments au final qui vont rentrer en jeu, que ce soit les expériences qui sont et les compétences qui sont déjà présentes dans une entreprise, que ce soit les projets qui ont déjà été réalisés, ce genre de choses. Le type de projet aussi, par exemple, si on a déjà des projets qui ont été faits en AngularJS, on va avoir beaucoup plus tendance naturellement à pencher sur de l'Angular qui sera capable d'exécuter notre code AngularJS en même temps. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, en termes de fonctionnalité, il ne faut pas se baser que sur les fonctionnalités d'un framework ou sur ce que l'on connaît principalement, parce qu'au final, que ce soit avec Angular, React ou Vue, ils vont fournir les mêmes fonctionnalités. La syntaxe, encore une fois, va être un petit peu différente. La manière de faire va être un petit peu différente. Mais il faut pas se dire, je vais utiliser React ou je vais utiliser Angular parce que, par exemple, j'ai un gros projet. Non, ça sert à rien, en fait. De toute manière, que ce soit avec Angular, React ou Vue, on sera capable de gérer correctement un gros projet. Et s'il y a un problème au sein de ce projet, ça sera pas lié au framework. En tout cas, je l'ai jamais vu. Je pense qu'il faut beaucoup plus se baser en tout cas sur ce qui existe déjà et sur les compétences des gens et sur l'expérience des gens qui sont déjà présents que de se dire que tel framework, je le connais peut-être un peu moins, donc du coup, je trouve qu'il est un petit peu plus limité qu'un autre et du coup, je vais plutôt partir sur un autre. Ça, en réalité, vraiment, que ce soit en tout cas avec uniquement Angular, React ou Vue, vraiment, à la fin, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence et on sera capable de faire la même chose avec les trois. Donc voilà, ça ne répond pas beaucoup à la question, mais l'important, c'est de connaître les critères vraiment les plus objectifs possibles. Et alors toi, aujourd'hui, si tu dois commencer un projet demain, c'est lequel que tu prendrais? Je vais pas répondre à cette question parce que du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je m'évertue à présenter pendant 40 minutes que les frameworks n'ont pas beaucoup de différence, si c'est pour ensuite indiquer publiquement qu'est-ce que je préfère utiliser. Quoi. Je comprends. J'ai une petite question justement par rapport à ça, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de concepts au final qui sont communs, et notamment, il y a eu des tentatives, que ce soit de la part d'acteurs ou voire de la part d'organismes en fait qui s'occupent du web, de proposer des standards
Ouais. Notamment, il y a des API qui sont sorties directement dans JavaScript. Et qu'est-ce que tu en penses de ces standards autour des composants? Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet vraiment encore plus de casser la barrière entre les différents frameworks. Après, je suis loin d'être spécialiste encore, par exemple, dans la notion de composants en JS native. Voilà. Après, je sais que y a la majorité des frameworks, en tout cas, font justement des efforts pour se rapprocher le plus possible du standard. Un exemple, par exemple, avec Angular, on a la possibilité de convertir les composants que l'on crée en des composants natifs, qui derrière ne nécessiteront pas d'avoir un moteur Angular pour pouvoir être utilisé en fait, tout simplement. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis vraiment encore loin d'être spécialiste sur le sujet, mais je sais en tout cas que les frameworks, en tout cas, se dirigent dans cette direction parce que se rendent compte aussi que bah, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Et je suis assez d'accord du coup avec cette manière de faire. Donc voilà. Et du coup, une petite dernière question, c'est que là au final, tu nous montres un petit peu que peu importe le framework, vu que les concepts sont équivalents. Pour des gens qui débutent dans le web, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour débuter avec les frameworks JS? Globalement, faut vraiment. Il n'y a pas besoin, entre guillemets, de se poser beaucoup de questions au niveau du framework que l'on va choisir. Pour quelqu'un de vraiment, vraiment débutant, on peut vraiment commencer par n'importe lequel. En termes de phase d'apprentissage, il va y avoir quand même quelques petites différences entre les frameworks. Certains vont être réputés un petit peu plus difficiles à appréhender que d'autres, mais ça va en fait plus avoir lieu en fait à la philosophie en fait qu'il y a derrière les frameworks. Typiquement, Angular a la réputation d'être un petit peu plus compliqué à appréhender quand on débute que React ou Vue, mais c'est parce que principalement Angular se veut comme un framework complet comparé aux deux autres, dans le sens où il va essayer de proposer une solution officielle pour tous les cas de figure que l'on peut rencontrer dans une application web, alors que Vue et React ont tendance à se focaliser beaucoup plus sur la notion de réactivité, le fait de pouvoir créer des composants, ce genre de choses. Et en fait, après, ça va plutôt être des packages de la communauté qui vont fournir des solutions à des problèmes que l'on va rencontrer très fréquemment. Donc, à première vue, on peut avoir tendance à penser que Angular est plus compliqué à appréhender qu'un autre. Mais en fait, derrière, quand on met tout ça bout à bout pour construire toute une application, bah, il y a très, très peu de différence, encore une fois. Parce qu'il y aura globalement à peu près les mêmes concepts à appréhender. Et en plus, les trois frameworks disposent aujourd'hui chacun de beaucoup, beaucoup de ressources en ligne, énormément de ressources qui sont également traduites, en plus, même si on n'est pas très, très à l'aise avec l'anglais. Donc, globalement, on peut commencer avec n'importe lequel. Et en plus, le fait est qu'aujourd'hui, on est bien placé pour savoir qu'il y a du boulot et les entreprises utilisent... on va pouvoir trouver du travail dans des entreprises avec n'importe quel framework. Donc voilà, il n'y a pas de vraiment un grand framework qui va se démarquer du lot pour commencer à développer une application web. Très bien. Bah, merci beaucoup à toi, Jimmy. Et donc, du coup, je vais poster dans le chat le lien Open Feedback pour que vous puissiez faire des retours à Jimmy. Donc, n'hésitez pas, ça peut l'aider et même lui faire plaisir si vous avez apprécié son tout talk. À fait. Je suis preneur de tout retour. Je ne sais pas si Aurélien est toujours dans le coin pour dire un petit mot de au revoir. Si je vois qu'il est... Allez. salut Aurélien, enfin re. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez apprécié le meet-up. Ouais. C'est très sympa d'être là avec Node.js, franchement je suis très content, j'espère qu'on aura d'autres occasions et si possible en physique. Ah oui, non, on a encore à l'étude sur ce point-là, c'est encore en discussion, un peu plus tard, que les conférences reprennent tranquillement, on va les laisser essuyer un peu les plâtres. Puis en tout cas, merci à toi Yvonique et merci à Marion pour l'orga, la régie, etc. Bah voilà, ouais, j'allais en parler. Merci. Donc merci, oui, il y a Marion qui nous a rejoint cette année à Nantes.js pour l'organisation et donc celle qui s'est occupée pour la première fois de la régie. Donc merci beaucoup Marion.
Et puis, bah, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée et puis à bientôt. Salut.